J'étais là vraiment, ce qu'on appelle en culotte courte. À 4 ans, j'étais déjà. Parce que je vivais à côté, je suis né à Lisieux. J'adore cet hippodrome et voilà, j'essaye de toujours préparer ce meeting. Ça fait des années qu'on gagne beaucoup de courses ici. Mais là, des courses comme ça, on dépasse le cadre de. On est dans le classicisme avec cette année la chance d'entraîner 5 ou 6 chevaux classiques. Et c'est unique, je crois. Ça sera unique dans ma carrière cette saison. Ouais. On a la chance de l'avoir celle-ci et d'arriver à lui construire un programme voilà, sans en abuser. Elle répond à nos espérances, mais tout ça, c'est de grandes émotions. C'est difficile. Et c'est tellement agréable. C'est bien, on en gagne 2. Alors, c'est les circonstances du fait que les poules d'essai sont Corradoville qui m'ont fait pencher pour la garder ici pour le prix de Diane. Après, elle est redescendue à Pau. Elle est revenue ici en début du mois. Et c'est une pouliche au départ. Elle galopait, mais on n'en faisait pas un grand cas. Elle a débuté à Clairefontaine, on l'a emmenée à Cran. On l'a baladée un peu toute l'année, 2 ans, sans la considérer comme une championne. Et puis, lors de sa course de rentrée à Saint-Cloud, on a vu déjà que c'était très très bien. Et puis, la consécration, c'est le jour de la poule d'essai ici. Elle est devenue championne ce jour-là et elle a répété depuis, près de Diane et aujourd'hui. La championne est bien présente au rendez-vous du prix d'Annonette, la Cressonnière, le numéro 4 qui s'impose et qui demeure invaincue. C'est l'émotion que nous donnent les très très bons chevaux. J'ai eu un cheval comme Milcom qui a même gagné 10 courses, qui est arrivé invaincu dans l'arc aussi en 10 courses. C'était à l'époque, c'était mon premier bon cheval de plat. Ce sont des chevaux exceptionnels, quoi. Ils ont le moteur, ils ont la volonté, c'est des professionnels, ils sont meilleurs que les autres, c'est tout. C'est sûrement une jument qui, au niveau physiologique, qui a beaucoup d'atouts pour elle. Et puis, elle a le mental, elle est bagarreuse, elle a toujours fini devant les autres. Donc, quand elle va arriver dans l'arc, elle n'imagine même pas, elle, dans sa tête, qu'un cheval peut... Donc, elle va se vider pour y aller, pour battre les autres. Si elle arrive à gagner une course comme ça, on la placera au plus haut dans le classement de nos bons chevaux qu'on a entraînés. Elle sera sûrement top du hit-parade.